Alors Stéphanie, assistante de direction au SICAS. Alors, nous nous trouvons où exactement? Donc nous sommes dans l'établissement historique hein, qui fête ses 50 ans cette année. Nous nous trouvons là actuellement hein, dans le bâtiment des filles, où, dans lequel vous venez effectivement tourner les images de notre chambre témoin. Que j'ai chambre. Tout à fait, qui a été réalisé par l'architecte Crécibio et que nous souhaitons pouvoir reproduire incessamment sous peu. Elle a été validée, prête à l'emploi, oui, on va dire ça, qui a été effectivement travaillée en fonction, on va dire, des remarques qu'ont bien pu nous faire nos résidents actuels. Donc aujourd'hui, de 10h à 16h, nous tenons donc un forum à l'attention d'un public jeune, hein, notamment des étudiants. Donc au cours de ce forum, l'idée là, c'est de pouvoir partager avec la jeunesse, du moins comment démarrer dans la vie, hein, c'est-à-dire pouvoir obtenir ben, son premier emploi, son premier logement et sa première voiture. Voilà. Oui, nous avons effectivement près de 16 partenaires hein, qui ont répondu présents. Vraiment très généreusement afin de pouvoir effectivement partager le maximum d'astuces et de dispositifs en vue, on va dire, de ceux et celles hein, qui, à un moment donné, chercheront à avoir une autonomisation dans la vie et une indépendance financière. Premier emploi, premier logement et comment acquérir sa première voiture.